Salut à tous, on se retrouve pour continuer ce logiciel qui est VirtualBook. Alors, j'ai un peu corrigé quelques bugs, notamment le bug là qui affichait deux couleurs différentes là dans la couverture. Donc j'ai corrigé ça. Voilà. Et j'ai aussi fait en sorte que quand on utilise une image de couverture personnalisée, et ben j'ai fait en sorte que cette image prend toute la place de la zone image, c'est-à-dire qu'elle va s'afficher en grand, peu importe qu'elle soit petite ou très grande. Mais je vous conseille quand même d'utiliser des images appropriées. Donc dans cet épisode, nous allons donc nous occuper de la fonction qui permet de tourner les pages. Voilà. Pour l'instant, on va faire ça. Alors, juste petite précision, on ne demande pas le mot de passe quand on lit un livre, puisque la lecture, c'est juste pour la lecture, on va rien modifier ici. Voilà. Alors, il y a aussi les menus ici qu'on a oublié de faire ici. Donc, on le fera après à la fin. Voilà. Donc, pour l'instant, on va juste nous occuper de tourner les pages. Alors là, ça sera extrêmement facile, puisqu'on va en fait faire du copier-coller, puisqu'on l'a déjà fait pour l'éditeur de page. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner ce sélecteur numérique et on va créer la fonction qui s'exécutera quand la valeur change. Donc, quand on change de nombre à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est la fonction ValueChanged. Donc, on va faire du copier-coller puisque nous l'avons déjà créé cette fonction. Donc, elle se trouve dans ici, je crois. Ouais, ici. Et c'est la fonction, donc, elle porte les mêmes noms. Donc, c'est NUD, numéro page, page changed. Alors, on va donc copier tout ça. On va pas prendre cette fonction-là qui permet d'exécuter la fonction qui permet d'enregistrer. Donc nous, on n'a rien à enregistrer. Donc on commence à copier à partir du calcul. Donc je prends toute fonction. Donc je copie tout ça. Donc je vais faire un CTRL C pour copier. Et on va aller le coller juste ici. Alors j'ai fait une micro pause parce que le software Jaten il prenait trop de RAM là et mon ordinateur il en pouvait plus. Du coup j'ai un peu fermé les fenêtres qui servaient à rien pour libérer de la RAM et je l'ai relancé. Donc on va retourner dans la fonction qu'on vient de copier-coller. Donc cette fonction là et on va modifier des petites choses. On va aller tout en bas. Et on va aller modifier des choses au niveau de l'affichage. Parce que dans la création de livre ici, c'est des textbox. Donc ici et ici. Alors que dans la lecture de livre, c'est des labels. Donc faut modifier ça au niveau de l'affichage ici. Donc on va modifier cette action-là. Donc on va sélectionner les labels. Donc là c'est LB page 2 je crois. Ouais, LB page 2. On va modifier la propriété texte. Non, pas texte. On va modifier la propriété. Alors il y a un petit problème ici. C'est que on a mis des labels, sauf que donc là on a mis des labels, sauf qu'il y a un problème, c'est que les labels n'ont pas la propriété RTF. Donc la propriété RTF, c'est une propriété qui contient le texte et la mise en forme. Sauf que les labels n'ont pas cette propriété. Donc on est obligé d'utiliser des textbox. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer. Alors, avant de supprimer, je vais juste copier ça du coup. Je vais le coller ici. Alors, on le met au premier plan. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner les deux textbox en même temps.
donc avec CTRL et clic. Donc là, j'ai sélectionné les deux text box en même temps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer leur border style. On va, pour que qu'il n'y ait pas de bordure en fait, pour que ce soit comme une text box, une label. Donc voilà, none. Comme ça, il n'y a pas de bordure et on va croire que c'est une label. Alors, on va aussi modifier une autre propriété qui est read only. On va la passer à true. Comme ça, l'utilisateur, enfin le lecteur, ne pourra pas modifier le texte. Il pourra juste lire le texte. Alors, voilà. Alors, vous vous demandez, c'est quoi ce bouton-là? En fait, c'est le marque-page. Ça permet de mettre le marque-page. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va retourner dans la fonction qu'on a copié-collé et on va modifier. On va s'assurer que tout est bon maintenant. Donc, voilà. Tout est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Je sélectionne mon livre. Et voilà. Donc, je vais changer la page. Alors oui, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est que là on est à 0. Donc alors on doit rajouter un truc en plus par rapport à l'éditeur de livre, c'est que là la valeur 0 ici, elle est autorisée. Et c'est quoi la valeur 0? Bah c'est en fait le comment dire, l'image du livre, donc la page de couverture du livre correspond à la valeur 0 ici. Par contre, la valeur 0 dans notre variable tableau qui stocke les pages, ça correspond à la page 1. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit rajouter quelque chose tout en haut qui regarde si la valeur que l'utilisateur a choisie est égale à 0. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une condition. Alors comme j'ai la flemme de mettre obtenir la propriété du contrôle pour récupérer le nombre du sélecteur de nombre, on va passer par le vb.net parce que ce sera plus simple. Alors, on va aller la chercher. Nude numéro page. On va aller chercher la propriété value qui est ici. On va aller copier ça, donc on coupe ça, on supprime ça, on va aller dans la valeur de type numérique, on va laisser 0, on va choisir une variable au hasard, voilà, et on va aller modifier un peu en vb.net, donc on va afficher le code, on va éditer ça, et on va remplacer TMP par la propriété value de notre sélecteur numérique. Donc je fais ça parce que j'ai la flemme de récupérer enfin passer par softorizator quoi. Donc j'aurais dû récupérer cette valeur dans une variable et tester avec la condition, mais là comme j'ai la flemme, je vais plutôt faire comme ça, mais ça revient en même, ça va juste beaucoup plus vite. Donc ce que je suis en train de dire là, c'est que si valeur que l'utilisateur a choisi dans le sélecteur numérique est égale à 0, alors on va afficher la page de couverture. Donc pour cela, on va aller modifier la propriété d'un contrôle. Alors, voilà l'interaction. Modifier la propriété d'un contrôle. On va sélectionner le groupe couverture. Alors le groupe couverture, c'est un contrôle qui contient tout ce qui est en rapport avec la couverture. Donc ça nous permet d'aller plus vite pour modifier les propriétés de chaque contrôle qui est en lien avec la couverture. Donc c'est un groupe et on va changer la propriété visible. Et donc là, comme c'est 0, on va mettre à true. Voilà. Ensuite, on va aussi modifier le groupe livre. Alors le groupe livre, c'est le groupe, le livre quoi, le livre en lui-même. Donc le groupe livre, c'est tout ce qui est en rapport avec le livre, sauf la couverture bien évidemment. Donc le livre, les labels ici pour indiquer le numéro de la page, etc. etc.
Donc, on va modifier la propriété d'un contrôle. On va aller modifier le contrôle groupe livre. Voilà. On va modifier la propriété visible. Et lui sera à false. Ce qu'on dit là, en fait, c'est si la valeur numérique est égale à 0, alors on affiche la couverture et on rend invisible le livre. Alors si si la valeur numérique de sélecteur de nombre n'est pas égale à 0, bah, on fait exactement le contraire de ce qu'on a fait juste ici. Donc on va aller juste changer les propriétés et on va mettre ici ça le on va mettre le groupe couverture à false et le groupe livre à true. Voilà. Alors juste une petite chose, on va supprimer ça parce que on n'est pas dans l'éditeur de livre, donc c'est des actions qui permettent de mettre les pages vides si on a rien trouvé dans la variable tableau. Mais de toute façon, ça, on ne pourra pas sélectionner une page qui n'existe pas dans la lecture de livre. Dans l'éditeur de livre, on pouvait pour pouvoir créer justement une nouvelle page, mais dans la lecture de livre, on ne va pas créer de nouvelles pages. Donc c'est pour ça que j'ai retiré ces actions-là. Donc on va tester. Donc il y a un livre. Hop, voilà. Alors, je vais sélectionner la page 1. Donc voilà, ça marche. Donc là, j'ai bien mon livre avec ma page 1. Alors, je peux mettre le curseur dans la textbox, sauf que je ne peux pas modifier le texte. Donc quand j'essaye d'écrire, et ben vous entendez le bruit, ce qui veut dire qu'il n'est pas content que j'essaye de modifier le livre. Alors par contre, si je mets la valeur 0 dans le sélecteur numérique, alors là il me l'a pas fait. Ah si, il me l'a fait. Alors il me l'a fait, mais avec un petit bug là. Ah oui, ah bien oui. Alors petite chose, j'ai oublié de faire un truc ici, c'est que si la valeur numérique est égale à 0, donc on affiche la page de couverture, mais par contre on doit pas continuer la fonction. C'est-à-dire que là on doit arrêter la fonction. Donc on va aller dans l'onglet fonctions, on va sortir de la fonction. On va sortir d'une fonction. Donc on met ça là. Et si je réessaye, donc lire un livre. Hop, on va sélectionner le livre. Donc, je mets la page 1, la page 1 s'affiche. Alors, si je mets la page 3, la page 5 et tout, donc ça s'affiche bien. Maintenant, je vais essayer d'afficher la page 0. Donc, la page 0, c'est bien ma couverture. Donc, voilà. Donc, on a bien fait ce que je voulais. Alors il y a un petit bug, c'est que je peux afficher des pages qui n'existent pas, donc des pages blanches en fait. Donc pour cela on va les corriger ça tout de suite. Donc on va aller faire ça dans la forme load. Tiens. Hop. Et on va modifier la propriété d'un contrôle. On va modifier la propriété un maximum de ce contrôle là, donc du sélecteur numérique. Donc la propriété maximum, c'est le nombre maximum qu'on peut saisir dedans. Le nombre maximum sera donc le nombre de pages existant dans le livre. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le nombre de pages existant dans la variable tableau qui stack les pages, donc obtenir le nombre de valeurs d'une variable tableau. Cette variable tableau, c'est page livre. On va enregistrer ce résultat dans TMP et ensuite on va modifier la propriété maximum de notre sélecteur numérique. Donc on va aller sélectionner notre sélecteur numérique qui s'appelle NUD numéro page.
Donc comme je vous l'ai dit, on va modifier la propriété maximum qui correspond au nombre maximum qu'on peut saisir dans le secteur numérique. Et donc cette nouvelle propriété, enfin cette nouvelle valeur, sera TMP. Aujourd'hui j'ai un peu la flemme, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller en VB et je vais directement écrire TMP ici. Voilà. Oui, aujourd'hui j'ai un peu la flemme, donc j'utilise le visuel basique parce que voilà, je suis désolé, hein, mais voilà. Donc on va exécuter. Donc je sélectionne mon livre et donc j'essaye d'afficher la page maximum. Donc là c'est la dernière page normalement. Et ah bah non, voilà, j'avais créé des pages vides. Bon, c'est pas grave. Nous voyons donc là je peux pas aller au-dessus de la page 9 et 10. Voilà. Donc ça marche bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des trucs ultra rapides, c'est qu'on va faire, on va s'occuper de ces deux boutons-là qui permettent donc de faire la même chose que ça en fait. Voilà. Donc qui permettent de changer de page vers la page suivante et vers la page précédente. Donc, on va commencer par la page suivante. Hop. On va créer la fonction clic. Là, et on va copier-coller, puisque nous l'avons déjà créé dans l'éditeur de livre. Voilà, BT suivant. On va venir copier ça. On va le mettre ici, coller. Et on va faire exactement la même chose, mais pour le bouton précédent. Donc, qui permet d'afficher la page précédente. Donc on va faire pareil, on va copier-coller. Donc voilà, donc nous avons fait ces trois boutons là, donc ces choses, c'est le plus gros, hein. Après il nous restera plus que pour mettre le marque-page et on aura fini, enfin presque, on aura juste à finaliser la fenêtre et c'est bon. Donc on va tester. Donc on va lire un fichier, mon livre, et donc on va tester les boutons ici. Donc je clique page 1, je clique c'est la page suivante, je clique encore une fois, c'est encore la page suivante. Alors les pages précédentes, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc comme vous le voyez, ça marche très bien. Donc les boutons là, ils marchent très bien. Alors ce qu'on va faire rapidement ici, c'est qu'on va s'occuper du bouton go ici. Alors là ça sera extrêmement rapide. Alors le bouton go, il va juste se charger d'afficher la page 1. Donc ce qu'il va faire, c'est juste mettre le nombre 1 ici. Là ce sera extrêmement rapide. On va lier le contrôle à une fonction. On va dire que la fonction se déclenchera lors d'un clic. On va modifier la propriété d'un contrôle. Ce contrôle, c'est le sélecteur numérique. Voilà. La propriété, ce sera value que je peux modifier. Et donc, la nouvelle valeur de cette propriété sera donc la page 1. Donc voilà. On va tester ça tout de suite. Donc, on ouvre notre livre. Donc, j'appuie sur le bouton go et la page 1 s'affiche. Voilà. Donc, je peux retester si je veux. Hop, voilà. Donc sur ce, la vidéo elle commence à être un petit peu longue, donc je fais mon petit message de fin pour cette série, c'est-à-dire que je vous propose de m'envoyer des logos pour ce logiciel. Donc n'hésitez pas à me faire plein de logos pour que je puisse mettre une icône à ce logiciel. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre des j'aime, des commentaires, tout ce que vous voulez. Et sur ce, je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.